Dear colleagues, this is the third lecture in French at Onomastics Online this semester that shows how important multilingualism is in ICOS, and Yolanda is one of the main representatives of this approach. Thank you, Yola, and for this, and also many thanks for all your help in organizing these events. And I also would like to welcome today's speaker, Stéphane Gendron, who is going to talk about a special group of toponyms, names that includes names of animals. Thank you very much for accepting our invitation. And as always, I wish a wonderful time for us. Merci. Thank you very much, Catherine. Madame Retteri est la présidente de l'International Council of Onomatic Sciences, qui organise cette série de conférences. Et pour commencer tout de suite, je vous présente Monsieur Stéphane Gendron. Il est toponymiste, président de la Société française d'onomastique depuis 2022. Il est directeur de rédaction de la nouvelle revue d'onomastique, spécialiste de la toponymie et la microtoponymie du centre de la France. Il a reçu le prix Albert Dauzat en 2020. Il est également auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux noms des lieux des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, noms des lieux des bords de Loire en 2017. Il a également publié des études plus transversales, les noms des lieux en France, réédité en 2008, la toponymie des voies romaines et médiévales, réédité en 2018, animaux et noms des lieux en 2010, qui est en rapport avec la conférence d'aujourd'hui, personnages illustres et noms des lieux, des Vercingétorix à Napoléon III, 2013, de vie à trépas, 2023. Dans ses publications, livres, articles, etc., il s'attache à faire connaître ce versant d'un patrimoine parfois oublié, souvent négligé, que sont les noms des lieux de nos régions. Villages, hameaux, écarts, lieux-dits, forêts, ruisseaux, parcelles. Sa recherche se concrétise également par des actions de sensibilisation au travers des conférences, rencontres, stages, classes patrimoine, etc. Démarches nécessaires pour répondre aux interrogations d'un public toujours plus curieux et exigeant. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à M. Gendron qui nous parlera des animaux dans la toponymie française entre réel et imaginaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les noter et à la fin de la conférence, on vous donnera la parole. Merci beaucoup et bienvenue, Monsieur Gendron. Merci, merci Yolanda pour cette présentation et merci pour cette invitation et encore un autre merci pour accueillir aussi une conférence en français. Je sais que voilà, c'est une très belle initiative. Je suis heureux de pouvoir faire cette présentation sur un sujet donc qui m'intéresse depuis de très nombreuses années et cela pour plusieurs raisons. La première est que, contrairement à beaucoup de catégories de toponymes, la question de la présence réelle des animaux est souvent une véritable interrogation. Contrairement aux entités géographiques, aux activités humaines, aux croyances religieuses, aux institutions, etc., qui ont laissé des traces incontestables, les animaux sont plus difficiles à saisir. D'ailleurs, signe de cette difficulté, les chercheurs font souvent preuve d'une grande prudence concernant les animaux. La deuxième raison de mon intérêt envers les animaux tient à la richesse des représentations culturelles dont ils font l'objet, dont ils font toujours aujourd'hui l'objet, en fonction de leur position, de leur statut, de leur place dans une hiérarchie de valeurs, ces dernières étant souvent très éloignées des nôtres. Or, il me semble qu'on ne peut pas sérieusement aborder les questions de toponymie, donc les questions de langue, sans tenir compte de ces types de relations. Pour prendre un exemple concret, on peut citer la séparation classique sauvage-domestique, qui est une dichotomie fondamentale ayant nécessairement des répercussions dans la nomination.
Voilà, donc je disais que tout simplement, les disciplines, les autres disciplines que la linguistique ne doivent pas être exclues de ses recherches, l'anthropologie bien sûr, mais également l'histoire culturelle, qui est une voie qui a été creusée en France, en particulier par un historien qui se nomme Michel Pastoureau depuis de nombreuses années. Pour cette communication, je m'appuierai sur quelques animaux en particulier, le loup, la souris, l'âne, le cochon, l'aigle et le faucon, et pour finir, le chien. Petite précision quant au vocabulaire. J'utiliserai ici le terme de zootoponyme, pardon, nom de lieu formé à partir du nom d'un animal, que l'on ne doit pas confondre avec le zoonyme, qui est le nom ou le surnom que l'on donne à un animal. Par exemple, pour la France, René Debrie a étudié pour le Pas-de-Calais des listes de noms que l'on donne aux vaches, aux chevaux dans les fermes. Hein, et ça, c'est tout à fait différent. Il s'agit de zoonyme. Ici, il s'agira de zootoponyme, bien sûr. Donc, je vais commencer par le loup. De tous les animaux, c'est sans doute celui qui est le plus fréquent dans la toponymie. La plupart des noms de lieux sont des dérivés du type louvière, loubière, louvois, loubarès, ou des composés du type chanteloup, gratteloup, pisseloup, heurteloup. Les correspondances dans le lexique permettent de supposer sa présence réelle dans certaines zones. À l'occitan, l'obaressa, endroit hanté par les loups, correspond le toponyme loubarès, qui est bien attesté dans le Cantal ou en Ardèche. Autre exemple, le gascon loubert, au sens de repaire de loup, permet de faire un rapprochement avec la Loubert, commune des Hautes-Pyrénées. Et le fait que l'ovière ou louvière dans le lexique soit attesté, depuis le moyen français, au sens de repaire de loup, permet d'expliquer sans grande difficulté toutes les louvières du nord de la France. Il est plus difficile d'en dire autant des noms composés, en particulier ceux qui contiennent une base verbale. Mot à mot, par exemple, gratte-loup, gratte-loup signifie lieu où grattent les loups. Mais s'agit-il encore de lieux fréquentés par les loups? Il est permis d'en douter, dans la mesure où ce gratte-loup rejoint la liste de tous les animaux susceptibles de gratter le sol, gratte-chat, gratte-poule, gratte-chien, gratte-chèvre, etc. Secondairement, le sens a pu être terre ingrate, terre inculte, difficile à cultiver, très pierreuse. Autre exemple, de nombreux pisse-loups sont attestés en France, dont l'interprétation littérale est lieu où pisse le loup ou pisse les loups. Mais dans la mesure où, là encore, les composés avec ce verbe renvoient à toute une famille d'animaux, le bœuf, le chien, la grenouille, le lièvre, la poule, etc., et que ces toponymes sont souvent des hydronymes en réalité, on préférera le sens secondaire de ruisseau, petit ruisseau ou source, hein, qui s'écoule tout doucement. Le toponyme qui a fait le couler le plus d'encre en France est sans doute Chanteloup, qui a son équivalent en méridional en Canteloup. On a bien tenté en vain d'expliquer autrefois ces toponymes par une racine préceltique, Cante, qui désignait la pierre, mais l'interprétation la plus convaincante est bel et bien le lieu où chantent les loups. Les loups chantent d'ailleurs, comme beaucoup d'animaux dans la toponymie, au point que j'avais repris l'expression de paysage sonore dans une publication consacrée à cette série. Pour autant, faut-il s'en tenir à ce premier niveau d'explication? Dans la mesure où chante grenouille, par exemple, désigne un lieu marécageux, systématiquement, ou alors des garennes où l'on fait donc fructifier les lapins portent le nom de chante lièvre, il est permis de supposer que chante loup désigne tout simplement le lieu de prédilection du loup. Son biotope, dirait-on aujourd'hui. C'est sans doute la raison pour laquelle beaucoup de ces toponymes désignent encore aujourd'hui des espaces boisés. Dans ces trois exemples, la présence réelle de l'animal n'est pas nécessaire. Mais cela pose un autre problème qui est celui de la lexicalisation. Le fait qu'il y ait autant de gratte-loup, de chanteloup, etc., dans la toponymie de toute la France, et dans beaucoup de régions parfois très éloignées les unes des autres, suppose-t-il obligatoirement la présence de formes lexicales préexistantes. Autrement dit, des appellatifs du type gratte-loup, chanteloup sont-ils une condition préalable à la formation de ces toponymes? Spontanément, nous serions tentés de répondre par l'affirmative. Mais il faut avouer que les traces lexicales de ce type sont très rares et font cruellement défaut. Le loup redevient beaucoup plus réel quand il sert à désigner des toponymes désignant la chasse.
L'abondance de traités cynégétiques décrivant des techniques de piégeage du loup, des trappes, les fosses, les collets, les filets, les cages, le poison aussi, ou les colliers à pointe que l'on mettait autour du cou des chiens, témoignent à la fois de l'acharnement et de l'ingéniosité pour chasser cet animal. Dans la tradition populaire, dans la chanson traditionnelle, c'est là que le loup se manifeste avec le plus de vigueur, montrant toute sa ruse et son habileté à déjouer les pièges des hommes. Louvetière, louveterie sont des toponymes très fréquents. Mais on trouve également des pan-loups, pan avec la pendaison du loup, qui renvoie à cette pendaison après les battues, des heurte-loups ainsi que des chasse-loups. Mais lorsque le loup devient particulièrement dangereux pour les hommes et terrorise les campagnes, on constate qu'il perd dans la langue sa qualité d'animal pour se transformer en bête. Dans le centre de la France, les toponymes la bête noire, la bête blanche ou la mauvaise bête, la mâle bête, sont à mettre en lien avec des battues de loups qui avaient commis de nombreux méfaits et des meurtres, d'une certaine façon, des méfaits en Sologne dans les années 1742-1750. Dans les archives, le mot mâle bête est parfaitement attesté au XVIIe et XVIIIe siècle, dans le centre de la France, en Gâtinais. Cela est évidemment caractéristique du changement de nature que le loup peut opérer. Songez au mythe très ancien de lycanthropie, les loups-garous, encore très vivaces dans certaines régions de France jusqu'à la fin du XIXe siècle. Enfin, le loup est un animal présent dans les blasons, et souvent dans les blasons parlants. Celui de la commune de Laloubère, qui était cité et qui est dans les Hautes-Pyrénées, représente deux loups. C'est fréquemment le cas des localités portant aussi le nom de Saint-Loup. Saint-Loup-Camas, en Haute-Garonne, sur le blason, deux loups ont été rajoutés à la fin du XIXe siècle. En référence, cette fois, à une légende locale. Je vous raconte rapidement la légende. Le curé du village aurait jadis été dévoré par un loup alors qu'il rendait visite à ses ouailles dans quelques fermes isolées. Mais heureusement, Saint-Loup intervient et le curé a été régurgité entièrement vivant. Saint-Loup est donc un saint protecteur des loups. Enfin, il faut dire aussi quelques mots de toponymes qui, par leur consonance, ont fait naître des traditions populaires mettant en scène des loups. Par exemple, le loup roux, en Indre-et-Loire, c'est un toponyme qui vient de oratorium en latin, hein, l'oratoire. Le loup roux, donc, est toujours considéré localement comme le lieu du loup roux, tout simplement, hein, avec le roux au poil roux, avec le poil roux. Le poil roux, ça le rapproche des flammes de l'enfer et du diable, bien sûr. Le loup roux béconnais dans le Maine-et-Loire, c'est une seconde commune, elle connaît une légende exactement semblable. Louer, toujours dans le Maine-et-Loire, nous sommes encore dans le centre de la France, est considéré localement comme le lieu où le loup erre, tout simplement. Voilà. Donc ces traditions sont très très fréquentes dans la toponymie. En bref, voilà un animal qui se présente sous des formes extrêmement diverses. Un animal dont la présence réelle est sans cesse questionnée en fonction des modes de formation, donc linguistiques, et des contextes culturels dans lesquels il s'inscrit. Voilà aussi la raison pour laquelle il intéresse tant les historiens. Je voudrais parler maintenant de la souris. Voilà. Alors c'est très différent, bien entendu, la souris. La souris fait partie de ces animaux qui ont connu, à l'époque contemporaine, un véritable renversement des valeurs. Dans la tradition occidentale, la souris a rarement été appréciée comme elle l'est aujourd'hui. Avant de devenir, vous savez, le sympathique animal porte-bonheur dans les maisons ou celle qui offre un petit cadeau aux enfants qui ont perdu leurs dents, la souris a été un animal continuellement chassé, piégé. On n'aime pas la souris autrefois. Dans l'ordre animal, elle est beaucoup plus proche de la vermine et de tous les animaux rampants, comme les serpents. Beaucoup plus proche de cela que des mammifères, en réalité, qui sont appréciés, par exemple, pour leur fourrure. Et en plus, comme elle est capable de dégâts considérables dans les récoltes, elle a la réputation d'être très, très vorace, très gourmande. Mais contrairement au loup, les dérivés toponymiques désignent rarement la souris en tant que telle. Par exemple, les toponymes la souricerie, la souricière sont plus fréquemment des terres ou des domaines appartenant à des familles souris, qui porte le surnom donc de la souris. Le patronyme est en effet très bien attesté dans une grande moitié nord de la France, là où se rencontrent la plupart des dérivés toponymiques. Les substantifs souricière, le piège à souris ou souricerie, qui désigne le nid de souris, ne semblent pas avoir laissé beaucoup de traces. Les mêmes doutes
peuvent être émis en zone occitane. On a le mot sourigue qui désigne un lieu où abondent les souris, mais en réalité, les toponymes la souriguère sont de formation anthroponymique. En réalité, la popularité de la souris dans la toponymie se manifeste surtout dans des noms composés à base verbale, là encore. En particulier, les noms du lieu moque-souris ou trompe-souris. Parfois, gâte-souris. Mais on a aussi plume-souris, baigne-souris, trotte-souris ou crève-souris. Moque-souris et trompe-souris sont des noms très fréquents dans le centre et en Poitou-Charentes, dans les Pays de la Loire. Les toponymistes les considèrent généralement comme des noms ironiques, désignant des moulins très pauvres qui ne tournent pas ou dont le rendement est très insuffisant. Des moulins où même les souris, si friandes de farine, ne trouveraient pas de quoi manger. Trompe-souris donc. Il faut préciser que dans la toponymie, on se moque certes des souris, mais également des rats et des chiens en priorité. Quant à tromper, il peut concerner les chèvres, les chiens, les lapins, les lièvres, les perdrix et les poules. Donc essentiellement des animaux domestiques ou proches des habitations des hommes, là où on trouve à manger. La souris est en effet un animal domestique au sens étymologique du terme, qui appartient à la domus. Même si on tente continuellement de l'enchasser, elle appartient à la maison et elle est considérée comme telle. Mais revenons sur le sémantisme supposé de trompe-souris et moque-souris. Secondairement, ces composés ne désignent donc pas des lieux infestés de souris, mais des moulins pauvres directement. En bref, voilà des lieux dans lesquels les souris sont trompées, moquées, qui crèvent de faim ou se pâment à force d'être affamées. Cela correspond bien à l'image de la souris dans les proverbes et locutions mettant en avant cette voracité et cette ruse. Ce sont aussi des surnoms ironiques qui traduisent assez bien cette hostilité entre les paysans et les meuniers autrefois, phénomène qui a été étudié par exemple par l'historien Carlo Ginzburg. Cette hostilité qui avait, je cite Carlo Ginzburg, hostilité qui avait consolidé une image du meunier malin, voleur, filou, destiné par définition aux peines infernales. Cette relation a toujours été très très problématique et on a toujours soupçonné les meuniers de faire du trafic et de dissimuler leur fortune, par exemple. Donc en fait, c'est un terme ironique et bien entendu dirigé vers le meunier et le moulin, beaucoup plus que vers la souris en réalité. Troisième animal de ce parcours, on change encore de catégorie très très nettement, l'âne, Asinus. Avec cet animal, nous entrons dans un tout autre monde. En effet, l'âne synthétise une tradition à la fois religieuse et populaire, qui fait de l'âne celui qui travaille, qui porte les hommes, les charges lourdes, les bagages et les marchandises. On l'utilise pour de nombreuses tâches nécessitant un effort très régulier, tirer les charrettes, fouler les grains, faire tourner les roues des moulins et des pressoirs. C'est l'animal domestique par excellence. Un animal utile, associé à l'humilité, au sens presque religieux, la peine et le labeur. Le principal dérivé de asinus dans la toponymie est asnières, que l'on écrit parfois asnières, asnières, que l'on peut traduire simplement par lieu des ânes. Et la plupart des chercheurs considèrent ces asnières comme des élevages d'ânes, au même titre que les dérivés en aria du type armentière, armentum, le bétail, ou chevrière, capra, la chèvre, ou encore bouvière, le dérivé de bovis, le bœuf. Mais une mention qui figure dans un texte de Caton l'Ancien évoque les molae asinariae, les meules d'ânes, ou meules actionnées par des ânes, qu'il oppose d'ailleurs à celles qui sont actionnées par des esclaves. L'utilisation des ânes et des chevaux comme force de travail est non seulement attestée par les textes antiques, mais aussi par des représentations sur les monuments funéraires et par la découverte de squelettes dans des boulangeries antiques. La plus belle découverte a été faite à Pompéi, mais il y en a d'autres. Il est donc tout à fait envisageable de considérer Asinaria comme un nom de moulin mu par un âne ou par des ânes, une meunerie en fait. C'est l'hypothèse d'Ernest Nègre dans sa toponymie générale de la France. La question, bien entendu, qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut généraliser cette interprétation? Là, la réponse serait évidemment beaucoup plus délicate et plus prudente. Dans la microtoponymie, l'âne est associé à des chemins, à des sentiers, à des cols, à des pas, des passages, à des ponts.
Une odonymie qui, bien entendu, atteste de la présence effective de l'homme dans les déplacements, les transports de marchandises. Par exemple, beaucoup de moulins à vent de la région centre sont associés à des lieux-dits qui se nomment la charge d'âne. C'est un toponyme tout à fait évocateur. Mais avec l'âne, animal biblique par excellence, on bascule assez rapidement dans le domaine de la tradition religieuse ou de la légende. La plupart des pas aux ânes et des ponts aux ânes, mais surtout les pas aux ânes, rappellent en effet le souvenir légendaire du passage de Saint-Martin et de l'empreinte merveilleuse du pied de l'âne dans une pierre. Le pas de l'âne, le pas de la mule sont devenus dans beaucoup de cas d'ailleurs des lieux de pèlerinage. Le plus important de notre région est Ligugé dans la Vienne, près de chez moi. D'autre part, avec l'âne, nous ne sommes pas non plus à l'abri de confusion avec d'autres séries beaucoup plus proches du point de vue phonétique. Ça, c'est un autre problème. Par exemple, dans les Ardennes, Michel Tamine a bien montré qu'un certain nombre d'ânes de la toponymie sont en réalité des aulnes, l'arbre, et s'appliquent donc à des zones marécageuses, puisque l'aulne est vraiment l'arbre des zones marécageuses. D'autre part, on a parfois soupçonné une confusion avec l'ancien français âne, du latin anas, qui a désigné le canard. C'est un terme que l'on utilise uniquement dans les publications scientifiques en zoologie. Là encore, il s'agit de zones humides, peut-être des étangs. Pour compliquer le travail des toponymistes, il existe un accusatif anam qui a été glosé paludem, le marais donc, attesté dans le glossaire de Vienne, un glossaire de termes celtiques. Et on le suppose aussi présent dans quelques toponymes, mais là évidemment c'est encore un peu complexe. Des toponymes du type année, anneux, annois. Donc il peut y avoir aussi un certain nombre de confusions et de paronymies avec des termes plus proches. Je vais continuer donc ce parcours avec un quatrième animal, encore très différent, le porc, le cochon. Dans l'Occident médiéval, le porc a longtemps été élevé à l'état demi-sauvage, en grands troupeaux dans des bois communaux où il trouvait l'essentiel de sa nourriture. Comme chacun sait, son importance dans la civilisation médiévale est considérable en raison de l'intérêt offert par sa viande, les lards ou les jambons qu'il offre. C'est un véritable pilier économique dans les campagnes. Mais attention, rien à voir avec le cochon tout rose et bien gras de nos élevages modernes. Le porc au Moyen Âge était beaucoup plus proche du sanglier. Dans la pensée médiévale, l'image du porc est très négative. Il a le groin tourné vers la terre, il fouille la terre. Il est l'antithèse des animaux qui s'élèvent de leurs conditions terrestres. Il est sans cesse assimilé aux vices et aux bassesses de l'homme sur cette terre. C'est un animal détesté et en même temps absolument fondamental. Dans la toponymie, les dérivés de porcus sont très nombreux et tout à fait représentatifs des noms collectifs désignant des élevages. Il y en a beaucoup. Porcara, porcaria, par exemple, dans pourquière, porchère, pourchère. Le dérivé porcaritia, qui est attesté au 8e siècle dans le capitulaire de Vilis, qu'on retrouve dans porcheresse, pourcharesse. Beaucoup sont des étables à porc, certainement, les porcieux, pourcieux de la région provençale et franco-provençale. On a aussi Porquerolles dans le Var, très connu. C'est à partir du 18e siècle que les mentalités changent à l'égard de ces toponymes. Par exemple, dans ma région, Saint-Symphorien des Pourceaux, ancienne commune, sans doute trop sale, considéré comme trop sale pour un nom propre, est rebaptisé au 18e Saint-Symphorien des Ponceaux, les petits ponts. Voilà, la proximité phonétique a permis ce changement, mais il s'agissait vraiment d'un changement de nom qui ne plaisait pas beaucoup, hein, qui était devenu très gênant. Dans les villes, la plupart des places et des marchés des porcs ou des pourceaux ont été supprimés au XIXe siècle. Par exemple, à Loches, ville de l'Indre-et-Loire, le carroi aux pourceaux est devenu le marché au blé, parce qu'on voulait éviter de rompre avec cette tradition médiévale de cette ville avec une belle forteresse. Donc on a renommé un certain nombre de lieux, mais tous les animaux ont été évincés de l'odonymie locale. Le nettoyage des rues a également concerné la toponymie. Et donc, en l'occurrence ici, l'odonymie. Cette place occupée par les animaux dans l'odonymie, de manière générale, n'est pas indépendante de l'évolution des mentalités et sensibilités. En réalité, la plupart des animaux ont été chassés des villes au XIXe siècle. Je vais ouvrir d'ailleurs une petite parenthèse. Beaucoup de plaintes ont concerné au XVIIIe et XIXe siècle en France les chèvres,
en particulier les chèvres, qui avaient le droit de circuler absolument librement dans les villes, mais qui mangeaient tout ce qui se trouvait à leur portée. Et donc c'était vraiment très très difficile à supporter pour les habitants. Voilà, cette mentalité a changé à partir d'une certaine époque. Surtout quand on a commencé à transformer les villes et à les rendre un petit peu plus habitables, et que aussi la sensibilité de la bourgeoisie de ces petites villes a elle-même changé. L'une des plus anciennes rues de Châteauroux, par exemple, qui est mentionnée au XIIIe siècle, se nommait la rue Chevrière. À la fin du XIXe siècle, on décide de supprimer ce nom très gênant et on le remplace par un hommage à un avocat, Auguste Ledru-Rollin. Bon, voilà, le changement vers un homme célèbre est un phénomène très très connu. Mais revenons au porc. Dans l'ensemble, on constate que dans la toponymie, le porc est un animal bien réel, bien ancré. Certes, on trouvera quelques représentations imagées sur des enseignes, des auberges, des boutiques, comme la truie qui file. C'est une image qui vient sans doute de la Bible, mais que l'on retrouve aussi dans le grand légendaire, dans la tradition populaire. Pour donner un dernier signe de cette présence effective et bien réelle du porc, et la proximité très forte avec l'homme, je terminerai par les pendaisons de porc. En effet, à partir du XIIIe siècle, c'est le principal animal auquel on intente des procès, comme en témoignent les nombreuses sources judiciaires qui ont été analysées par les historiens. Le porc arrive bien en tête des animaux condamnés, le plus souvent pour des affaires de dévoration d'enfants. Il se trouve que la toponymie en a conservé quelques traces notables. Le syntagme le plus fréquent est la truie pendue, dans une moitié nord de la France, l'Essonne, le Loiret, l'Yonne et d'autres départements. On trouve également le gibet à la truie, la fourche à la truie, les étrangles truies, les fausses aux truies. Il faut ajouter que pour les exécutions, qui ont valeur d'exemple, on utilise généralement les piliers de justice déjà en place pour les hommes, mais parfois aussi un arbre et très souvent un chêne. Ces animaux, en particulier les truies, sont d'autant plus responsables de leurs actes qu'ils sont proches des hommes, qu'ils sont des animaux domestiques, encore une fois. Et les traités zoologiques anciens le répètent, ce sont en particulier les truies qui dévorent leurs petits, ce sont elles qui causent le plus d'accidents. Et c'est la raison pour laquelle on la trouve dans la microtoponymie très fréquemment. Voilà, j'en ai terminé avec ces porcs. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une autre catégorie qui, encore, j'ai volontairement fait des contrastes pour faire une synthèse à la fin, mais là, c'est tout à fait différent. Il s'agit de deux animaux que je mets ensemble, l'aigle et le faucon. Commençons par l'aigle. Voilà un animal doté d'un très fort potentiel symbolique. C'est le roi des oiseaux, celui qui est porteur de feu dans beaucoup de cultures et de traditions. C'est le messager des dieux, c'est aussi un attribut du soleil. Il est devenu très tôt un symbole de la force, de la majesté et de l'autorité. D'autorité aussi, bien entendu, qui est devenue autorité politique à certaines époques. De fait, il est présent sur de nombreuses effigies surmontant les enseignes, les étendards et les drapeaux dès l'époque romaine. À partir du XIIe siècle, l'aigle incarne la figure héraldique de l'empereur, comme chacun sait. Dans la toponymie, c'est un véritable emblème des sommets montagneux, des pics inatteignables. Il sert en effet de déterminant à de nombreux appellatifs horonymiques. Par exemple, le pic de l'Aigle dans le Jura, le Joug de l'Aigle, c'est une montagne de la Sainte-Baume dans le Var, le château de l'Aigle au nord-ouest de Savournon dans les Hautes-Alpes, le bec de l'Aigle dans les Hautes-Alpes encore et la Savoie. Les appellatifs présents avec l'Aigle sont très significatifs de cette propension aux formations horonymiques. Les rochers de forte taille que l'on nomme les baux, les caps, les cols, les crêtes, les nids, les monts, plans, pointes, ranques, donc des rochers, roches, rochers, les serres et les sommets. Ce sont principalement ceux-là. En zone occitane, agla, aigle, est surtout visible dans les Pyrénées-Orientales et désigne toujours des sommets, et des sommets plutôt très pointus, le roc de l'Algue, par exemple, ou la coombe de l'Algue, qui est plutôt une combe, mais qui surplombe une hauteur très prononcée à Hautpoul-Périos. En quelques exemples, on en trouve beaucoup. On peut considérer d'ailleurs le dérivé, les aiglières, comme de véritables séjours des aigles, considérant les nombreux sommets dans les Alpes et la Savoie qui portent ce nom. Et de manière générale, la référence à l'oiseau de proie peut avoir dans ces toponymes un sens métaphorique. C'est plus particulièrement le cas des nids d'aigles, qui désignent généralement des lieux très difficiles d'accès,
Par exemple, le nid d'aigle est un point de vue panoramique en France, dans le massif du Mont Blanc très connu. Donc, encore une fois, il n'est pas nécessaire d'avoir la présence effective de l'oiseau, il s'agit plus d'une image, d'une représentation. Cette assimilation aigle-sommet montagneux et le symbolisme attaché à l'oiseau ont suscité aussi des désignations de forteresses perchées sur des sommets. Ce lien entre l'aigle et la forteresse devrait d'ailleurs être élargi à toute l'Europe, qui connaît des équivalents dans les langues germaniques et slaves. Dans le cas de la commune nommée l'Aigle dans l'Orne, dès Aquila, au XIIe siècle, c'est l'histoire et la légende qui se mêlent. Selon une tradition rapportée par le moine Orderic Vital, au XIIe siècle, le seigneur du lieu, Fulbert de Beina, fit édifier en 1100 un château fort à l'endroit précis où fut découvert un nid d'aigle. Il décida de donner le nom d'Aquila à la forteresse, nom dont hérita la ville. L'oiseau est à la fois présent sur le blason de la ville et dans le nom de ses habitants, les aiglons. Alors ça, c'est une petite parenthèse intéressante, mais les aiglons, c'est un diminutif que je trouve intéressant parce qu'il semble indiquer que les habitants se considèrent comme les enfants de l'aigle. C'est une parenthèse. De son côté, le faucon, oiseau de grand prestige comme l'aigle, a régulièrement été associé à Mons, mais surtout pour désigner des lieux fortifiés. Et généralement, c'est très systématiquement des lieux fortifiés. Dans le nord de la France, nous trouvons Montfaucon, dans des zones montagneuses comme les Hautes-Pyrénées, les Alpes, la Corse aussi, le Monte Falcone, par exemple, à Matra, mais également dans des régions de moindre relief comme l'Aisne, le Maine-et-Loire ou la Sarthe, et des zones de plaine aussi. Donc il ne s'agit pas de hauteur particulièrement, mais plutôt de forteresse. La présence de l'oiseau n'importe pas ici. Nous ne sommes pas en présence de colonies ou de repères de faucons, mais bien de forteresses de l'époque médiévale. Et c'est le composé Montfaucon qui l'indique. Donc il y a un symbolisme très fort derrière cette formation. Il ne faut pas s'arrêter d'ailleurs au composé du type Montfaucon, quand on voit par exemple un toponyme dans le Jura comme Faucon-Pierre, qui n'a pas seulement une valeur horonymique ou celle de la pierre en tant que matière. Gérard Taverdé suggère d'ailleurs de le considérer comme un château du faucon, comparable à la formation des Montfaucons. L'hypothèse est très intéressante si l'on songe au château nommé Falkenstein du nord au est de la France, en Moselle, dans le Rhin, le Bas-Rhin, et de l'Allemagne, région de Trèves, où ces formations avec Stein sont très fréquentes. Donc, il n'est pas seulement dans son sens littéral, ce Stein, cette pierre ou cette pierre, rocher, mais également au sens secondaire de château. Il y a là toute une famille de toponymes auxquels j'associerai aussi les Falkenberg de la Moselle ou les Fauquemberg dans le Pas-de-Calais en France. Tout cela ne doit pas faire oublier, bien entendu, que l'anthroponyme d'origine germanique Falco est également très présent dans la toponymie. Donc, méfiance avec les formations de ce type, et surtout quand elles sont attestées seules, Faucon dans les Alpes, Faucon du Caire, Aunou le Faucon dans l'Orne, qui sont d'origine anthroponymique. Mais ce sont d'autres cas. Mais contrairement à l'aigle, qui est l'oiseau lointain par excellence, celui qui est totalement inatteignable, celui des inaccessibles sommets, le faucon est un animal beaucoup plus apprivoisé qu'on a su apprivoiser au cours du Moyen Âge pour la chasse. La chasse au vol, activité introduite en Occident peu après l'an 1000, qui devient rapidement une occupation favorite de l'aristocratie. Les premiers traités de fauconnerie furent composés en Orient au 8e siècle. Et donc le faucon est par excellence l'oiseau noble et cher, et son dressage pour la chasse au vol requiert beaucoup de soins et de patience. Cette assimilation avec le domaine des châteaux, des forteresses, est tout à fait symbolique. Je voudrais terminer ce petit parcours par les chiens, le chien. Celui que l'on qualifie de meilleur compagnon de l'homme est déjà le compagnon fidèle dans l'Antiquité, celui qui fait partie de la familia. À la campagne, c'est un animal utile, no notamment pour garder les troupeaux et aider à leur déplacement, ou aussi pour protéger contre les prédateurs. Le dressage des chiens pour la chasse fait l'objet de soins tout particuliers. Le Moyen Âge n'a guère apprécié les chiens, mis à part ceux que l'on élevait tout spécialement pour la chasse. De fait, son image est très contrastée, même ambiguë. C'est d'une part l'auxiliaire des seigneurs dans leurs activités de chasse, les activités cynégétiques, mais on craint ses morsures et surtout la propagation de la rage des chiens errants. Dans certains cas, on les assimile au diable.
et aussi dans beaucoup de textes aux juifs et aux hérétiques, il faut le dire. Le chien est surtout abondant dans la microtoponymie. La plupart sont des composés à base verbale, comme avec le loup ou avec la souris, on a des gratte-chien, beigne-chien, dîne-chien, moque-chien, pisse-chien, trotte-chien, penchien, tue-chien, écorche-chien, etc., etc. Travail-chien aussi. Les motivations qui sont à l'origine de ces noms ne sont pas toujours très claires. Il semble par exemple que les gratte-chien, trompe-chien et travail-chien soient des formations très ironiques, voire sarcastiques, pour désigner des sols pauvres, des terres difficiles à travailler. Il ne faut pas oublier que chien est attesté aussi dès l'ancien français comme insulte pour qualifier un individu méprisable. Donc, la valeur de l'animal n'est pas toujours très facile à reconnaître en réalité. Par exemple, travail chien peut tout à fait qualifier une terre que le pavé en vain et qui ne donne rien, qui est une terre très ingrate, très inculte. Dans une récente recherche sur les cimetières animaliers, j'ai pu constater que les cimetières aux chiens ne désignaient pas nécessairement des fosses d'enfouissement des animaux, mais de cimetières d'hommes, de cimetières protestants en réalité. À Ambucre dans le Pas-de-Calais, le cimetière aux chiens est également nommé cimetière des Parpaillots. À Belabre dans l'Indre, un historien local, Henri Vigne, a montré que le lieu-dit le cimetière des chiens correspond exactement à l'emplacement de l'ancien cimetière des protestants. Voilà. Et là, on a quelques exemples comme ça en France. Évidemment, ce n'est pas très aimable pour les protestants, mais cette qualification est bien attestée dans les textes, les historiens l'ont travaillé. Même si c'est un cas relativement rare, ça existe dans la microtoponymie. Une deuxième grande catégorie de toponymes avec ce chien contient des formes précédées ou suivies d'un appellatif géographique qui évoque une partie du corps de l'animal. Les bois du chien, les buttes au chien, les combes, les fontaines, les fosses, les nids, les roches ou les rochers, les seaux, les trous. Et ensuite, on a les parties de l'animal, la queue du chien, la patte du chien, le pied, le poil, le nez du chien, la tête du chien. De manière générale, ces désignations sont d'autant plus délicates à interpréter que le chien a lui-même servi à dénommer des noms populaires de plantes. Et beaucoup de plantes ont un composé avec le chien. Certaines d'entre elles ont pu d'ailleurs donner des sens à des microtoponymes. Par exemple, ce que l'on appelle le cul de chien dans le centre de la France, c'est cette plante que l'on nomme en fait la nèfle, qui a servi d'ailleurs de condiment parfois dans la nourriture. Le poil de chien, ce que l'on a nommé beaucoup dans beaucoup de régions le poil de chien, c'est la plante, une sorte de plante très, très vivace dans les prairies que l'on appelle le nard raide. C'est une graminée qui forme des touffes très très denses dans les champs et que les paysans essaient toujours, dont les paysans essaient toujours de se débarrasser. Donc ça, ce sont quelques exemples. Il y en a beaucoup dans les végétaux qui ont pris des formes populaires. Donc, ces composés sont parfois à observer aussi dans leur contexte culturel et linguistique pour essayer de comprendre la microtoponymie. Évidemment, on a aussi toute cette catégorie qui est très très riche des rochers avec la forme de la tête du chien. Par exemple, la tête de chien, il y a beaucoup de têtes de chien en France qui sont des rochers, qui prennent généralement la valeur métaphorique de hauteur, promontoire, rocher, en forme de tête de chien. On a quelques exemples bien, bien connus, et j'avais consacré une publication à ce sujet. Plusieurs têtes de chien se trouvent d'ailleurs en Vendée, dans les Côtes d'Armor, dans les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, le Var et la Corse. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse encore, mais c'est toujours assez intéressant de regarder la réalité de cette représentation que l'on se fait d'une tête de chien. Et d'ailleurs, on pourrait faire la même remarque avec n'importe quelle tête, qui est d'autant plus étonnante que parfois, on peut y reconnaître éventuellement quelque chose qui a la forme d'une tête d'animal, de chien, pourquoi pas. Mais dans d'autres cas, c'est beaucoup, beaucoup plus éloigné que cette représentation animale. Ça n'est même pas une tête en réalité. Donc, il y a des jeux sur tête de toutes sortes. La tête, le sommet, la tête, une forme qui de loin rappelle quelque chose. Mais la vision géographique peut être tout à fait éloignée en fonction des contextes. D'autant que ces toponymes ne sont pas forcément très récents, hein, et qu'on peut aussi être dans des contextes linguistiques tout à fait divers. Tous ces toponymes, quoi qu'il en soit, attestent d'une présence familière du chien dans les campagnes, avec des connotations plus ou moins favorables.
Il s'agit de microtoponymes qui sont rarement antérieurs au XVe siècle et parfois des odonymes. À Loches, ville dont j'ai déjà parlé en Indre-et-Loire, il y avait autrefois une ancienne rue des chiens. Et la présence de chiens est d'ailleurs attestée par des rapports de police du XVIIIe siècle que j'ai étudié il y a quelques années. Et ces rapports font état de la nécessité de se promener dans cette rue avec un bâton à la main pour se protéger. La rue a été débaptisée au XIXe siècle. Parmi les toponymes qui ont intrigué les chercheurs, il faut également mentionner les chiens pendus ou panchiens. Plutôt que des souvenirs de procès intentés contre des chiens, ces noms peuvent rappeler la coutume de pendre des animaux qui divaguaient dans les terres d'autrui et y faisaient des dégâts. Les agents chargés de tuer les chiens ont été nommés en France tuchiens, en un mot, et le terme a laissé quelques traces dans l'anthroponymie. C'est un anthroponyme attesté dans le nord de la France. Mais cette allusion à des chiens pendus n'est parfois due qu'à l'attraction paronymique. Par exemple, dans les Ardennes, la forme chien, chemin, donc au sens de chemin, s'est régulièrement confondue avec chien, chien. D'où quelques lieux-dits, le chien pendu, dont le sens premier est plutôt de chemin ou éventuellement de chemin en pente. Il s'agit d'odonyme en fait. Enfin, dans les mentions anciennes, c'est au prix de quelques calembours que le chien surgit parfois. Un exemple parmi d'autres, dans l'Ain, c'est une petite commune de Vonnas, un lieu qui se nomme Chassin. C'est une métathèse assez récente de Sachin. Et le toponyme apparaît sous la forme Septem Canibus en 1170. Septem Canibus, sept chiens, ses chiens, ses chiens, sa chien. Hein, bon, voilà une transcription approximative, mais qui est un calembour typique du XIIe siècle. Or, pour Sachin, nous pensons qu'il faut plutôt s'orienter vers une formation anthroponymique, bien sûr. Et quel sens pourrait-on donner à sept chiens? C'est quand même assez étrange. Désolé, 5 minutes maximum. C'est ce que, Merci. voilà, c'est parfait, j'allais conclure. Alors justement, j'en étais à la conclusion. Alors, à partir de ces quelques exemples cités dans cette présentation, parcours guidé par quelques animaux, comme vous l'avez vu, le loup, la souris, l'âne, le porc, l'aigle et le faucon, le chien, quelques remarques. La première est que, du point de vue de la formation des toponymes, on constate une assez grande variété. Des toponymes suffixés avec valeur collective, des élevages, des troupeaux, des tanières, des lieux de prédilection. Aussi des toponymes composés avec des appellatifs à sens géographique, horonymique ou hydronymique. Des toponymes composés à base verbale, du type chanteloup, qui sont très fréquents et qui sont parfois très complexes à interpréter, surtout lorsqu'on souhaite aller plus loin qu'une interprétation au premier niveau. Deuxième constat, on voit que ces animaux sont très présents dans la toponymie, mais que beaucoup sont à interpréter avec prudence. En particulier, on sera attentif au problème en linguistique des monosyllabes. Loup, âne, chat, cerf, coq, pie, bœuf, chien, évidemment présents partout, mais en même temps qui peuvent être résultat de plusieurs remotivations. Par exemple, dans ma région, les aubeux, ce sont des terres calcaires. Ça vient de Alba, Albus. Et c'est un toponyme qui a été systématiquement remotivé en aubeux. Au comme la hauteur et bœuf comme le bœuf, aubeux. Bon, c'est vraiment quelque chose de tout à fait caractéristique. Et on a en fait des exemples comme cela très fréquents qui montrent aussi à quel point le paysage toponymique est peuplé, voire repeuplé d'animaux hein, par la remotivation. De manière générale, la place qu'occupe l'animal dans la toponymie varie en fonction de son statut, on l'a vu, dans la relation avec les hommes. C'est très important. Animal de travail, animal économique, animal chassé, consommé, animal susceptible de se transformer en bête dangereuse, etc. La zootoponymie nous oblige à entrer dans l'univers culturel qui a fondé ces types de relations spécifiques, complexes et parfois contradictoires. Et pour finir, car même un animal a rarement une fonction et une image unique, et c'est ça qui est intéressant. Tous les animaux en relation avec l'homme ont un versant positif et négatif, sont pris en bonne et mauvaise part, à la fois utiles, mais aussi en même temps nuisibles d'une certaine façon. Là encore, comprendre les zootoponymes, c'est prendre en compte ces contextes divers. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. On voit la richesse du sujet. Nous avons encore quelques minutes, 10 minutes pour
poser des questions ou faire des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui voudrait poser une question ou commenter quelque chose? Daniela? OK, madame, Bonjour. oui. Bonjour Daniela. Bonjour, c'est très intéressant ce qui vous avez présenté. Et je voulais dire seulement un aspect de Roumanie. Chez nous, il y a beaucoup de personnes qui sont nommées après les animaux, après les noms Les d'animaux. noms d'animaux, oui. Oui, et on a des toponymes. Si je peux traduire, le pied du loup. Le pied de loup. Donc, il ne s'agit pas d'un pied d'un loup qu'on a trouvé, comme disent les. Enfin, qui peuvent raconter le peuple. Il s'agit du pied de la colline dont le propriétaire avait le nom le loup. Ah Oui. oui. Donc, dans l'époque médiévale, il y avait beaucoup de personnes qui étaient baptisées avec des noms d'animaux, en suggérant la puissance, la. Oui, c'est vrai, c'est très, très, très fréquent. Alors, j'ai quelques bons souvenirs de ma collaboration avec l'équipe de Patrom, Oui. et ça a été effectivement très passionnant de voir toutes ces séries en Europe de toponymes, par exemple avec Lupus, c'était extraordinaire. En anthroponymie, ça, c'est considérable, absolument considérable. Alors, je n'en ai pas trop parlé parce que mon sujet était plutôt orienté, vous l'avez vu, vers la toponymie et les questions que ça peut poser. Mais évidemment, il y a une richesse absolument phénoménale. Et dans les composés, d'ailleurs, les composés sont toujours. Ça ne rend pas les choses d'ailleurs plus simples, parce qu'en anthroponymie, c'est assez complexe aussi. L'exemple que vous avez montré le prouve. Hein, voilà. En fait, je pense que c'est un sujet relativement inépuisable, d'autant qu'il y a dans cette catégorie les traces sont quand même plus difficiles. Nous avons les noms, mais la question de la motivation est parfois très, très complexe derrière. Avec la toponymie, on peut se référer à un lieu, un ancrage, et parfois faire des comparaisons. L'hydronymie, l'oronymie, par exemple, permet quand même d'avoir des pistes dans les images, les métaphores. Dans l'anthroponymie, c'est très complexe, ouais, mais très C'est intéressant. très difficile de partager, Oui. de voir quelle est l'étymologie. C'est pour ça que vous Oui, avez oui, beaucoup travaillé oui. et c'est très intéressant. Je vous remercie. Merci. Oui, justement, je pensais à toute l'évolution phonétique du français qui a donné ces monosyllabes qui posent tellement de problèmes parce que il y a souvent l'homophonie, et Ah oui. donc à ça, il faut ajouter la question du passage de l'oral à l'écrit à une Oui. époque où il n'y avait pas beaucoup de monde qui savait écrire, donc les noms étaient transmis oralement souvent, donc il y a la ré-sémantisation, la remotivation, l'attraction paronymique. C'est comme vous dites, très, c'est inépuisable. Absolument. Je ne sais pas, il y a un commentaire sur Oui, j'ai le vu passer un chat. petit commentaire, oui. Par Y rapport au a-t-il une faucon. véritable relation entre faucon et le nom foulque? Entre le nom en faucon et foulque. Il existe, je ne sais pas, il faudrait vraiment travailler la question du point de vue de l'étymologie. Je ne sais pas si la question est basée sur la réalité étymologique de la relation entre les deux, entre foulque et faucon, mais ce qui est certain, c'est que je peux citer un exemple intéressant qui est connu dans l'histoire médiévale de la France, c'est Foulque Nérat. Foulque Nérat, prince de comte d'Anjou, donc a eu une très grande importance au Xe siècle en France, dans la vallée de la Loire essentiellement. Il a bâti des forteresses. C'était quelqu'un de très un combattant, un combatif, très voilà. Et de Montrichard, oui, la petite note est de Montrichard. Alors, ce Foulque Nérat a été dans la tradition médiévale, depuis la tradition médiévale, rapproché du faucon.
du faucon dans sa capacité à être un animal prédateur, mais vraiment au sens fort, hein, c'est vraiment là, c'était une référence tout à fait fréquente. C'est peut-être l'étymologie est peut-être un petit peu forcée, mais en tout cas, il y avait bien cette assimilation dans la culture, ça c'est certain. On l'a assimilé au faucon, hein, le foulque, c'est-à-dire en tant qu'anthroponyme, parce qu'on l'appelait le foulque, hein, foulque nera. Et nera, bon, après il y a d'autres hypothèses, mais en tout cas, foulque nera, c'est le cas. Après, effectivement, peut-être, alors du point de vue étymologique, je ne me souviens plus exactement si c'est une réalité ou si c'est simplement un rapprochement typiquement de la tradition médiévale, de la tradition médiévale, par contre, hein, c'est possible. Je ne sais pas. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je vois, c'est une observation. Les toponymes de type Chanteloup se trouvent également en Angleterre, Cantlou dans le Shropshire en Ah. Étain. Ah oui, d'accord. Oui, et je crois que c'est une question d'un certain point de vue universel, étant donné que les rapports entre les animaux et les hommes depuis la préhistoire ont donné lieu à tous ces jeux d'essence, etc. J'ai pensé, lorsque vous mentionnez le pic de l'aigle, ici aussi, tout à côté de Mexico, il y a le Pico de l'Águila sur une sierra, donc, et c'est la forme de la montagne. Oui, on voit le pic, mais en espagnol, il y a encore l'association avec le bec, el pico. Donc, c'est double la sémantisation. Voilà. Quelqu'un d'autre aurait un commentaire ou une question? Eh bien, s'il n'y a pas autre chose, j'en profite pour remercier énormément notre conférencier, Monsieur Gendron, et je salue la présence de Madame Catherine Resegui, présidente de l'ICOS. Je remercie aussi la Tehamalainen qui se charge de l'aspect ah, attendez, il y a un message de là, c'est précisément au nom de l'ICOS, je voudrais m'excuser auprès du professeur Gendron et de vous tous à cause de l'intrusion dont on a été l'objet pendant la présentation. Ces attaques malveillantes sont malheureusement pas complètement rares chez Zoom actuellement, mais il est difficile de prévenir cette sorte de choses dans des conférences comme ça ouvertes comme Onomastics Online. Pourtant, nous considérons au sein de l'ICOS, comment nous pourrions encore avoir la possibilité de prévenir ces situations et de les éviter de façon plus efficace dans le futur. Et moi aussi, je voudrais m'excuser, ce n'est pas quelque chose qui est lié à nous, c'est la deuxième fois en 2 ans que ça nous arrive, mais la première fois, je vous assure, j'avais envie de pleurer tellement ça m'a choqué. Bah, c'est un peu choquant. Bon, Alors, évidemment, la je crois question. qu'on a pu continuer. Oui, on a pu Oui. continuer. Bon, j'ai repris mon, j'ai réussi à me ressaisir tout de même. Mais l'important est aussi que vous puissiez ensuite faire une, parce que comme il y a une chaîne YouTube, je crois, qui peut retransmettre ces. Bien entendu que la séquence soit retravaillée, coupée au Bien bon sûr, endroit. la vidéo va On être imagine. éditée. On ne va pas On montrer ça, c'est sûr. imagine. Voilà. Voilà. En Thank tout you cas, very much to merci. Kathleen and to Lasse. Et Merci, merci merci. beaucoup à toutes et à tous ceux qui sont présents et qui ont assisté à cette conférence aussi intéressante. Merci beaucoup Merci. spécialement à Monsieur Gendron au nom de l'ICOS. Merci, Et Yolanda. nous vous invitons à suivre ces conférences, cette série, et à regarder, à visionner les autres conférences qui sont déjà en ligne chez YouTube. Onomastics Online. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Yolanda. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. De Bonne même, soirée. au revoir. Merci. Bye. Bye.